96 relatif au processus électoral en Russie. La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, le 17 mars, les Russes sont appelés à réélire Vladimir Poutine au pouvoir depuis 24 ans. Une élection qui nous rappelle que le suffrage universel ne suffit pas à la démocratie. L'état de droit, la constitution a été modifiée dans le sens que le souhaitait Vladimir Poutine, la liberté d'expression, la liberté de la presse, d'opinion, d'association, de manifester, eh bien aussi sont essentielles. Et pourtant, en Russie, les journalistes, les opposants, parfois pour avoir simplement pris la parole en faveur justement de la paix en Ukraine, sont persécutés, détenus, empoisonnés, voire assassinés. Et ce 17 mars seront aussi contraints de voter les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui, russifiés de force, puisque c'est le seul moyen pour eux d'avoir accès aux services, et donc détiennent de ce fait un passeport russe, ces russifiés de force dans les territoires occupés depuis le 24 février seront eux aussi appelés à voter. Un crime de guerre de plus à mettre au crédit de celui qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la CPI pour la déportation des enfants ukrainiens. Pour toutes ces raisons, le Parlement du Conseil de l'Europe a adopté une résolution enjoignant les États membres à déclarer Poutine illégitime dès le 17 mars. Pour toutes ces raisons, et alors que nous allons commémorer le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je vous appelle à voter pour ce vœu. Ce vœu qui réaffirme notre soutien à l'Ukraine et à son intégrité territoriale, qui appelle à la libération des prisonniers politiques, Ilia Ishin, Alexei Navalny, Svetlana Petrouchik, Alexandra Skochilenko et les centaines d'autres. Je vous remercie.